Et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un meuble. Ah oui, une vidéo sur un meuble, c'est bien ça. Oui, un meuble de rangement, bijoux, maquillage, collier. Ouais, j'ai un peu mis tout dedans. Même si j'ai du maquillage dans un autre meuble et du maquillage dans la salle de bain, je vais vous montrer quand même le meuble. J'avais mis la photo sur Instagram et le meuble a plu. Donc je vais vous montrer plus en détail le machin. Et voilà, donc j'ai pas de vernis, donc si vous voyez mes mains sans vernis et les ongles tout pourris, c'est pas grave. Hein. Mais je vais vous montrer un peu le machin. Voilà, donc ça va se passer avec le meuble qui se trouve là-bas, vous allez voir. Alors, voici le machin, le meuble. Donc c'est un meuble, c'est monté sur un tabouret en fait. Donc là on a le panier Eustache, hein, puisque Eustache a suivi, Eustache est d'ailleurs là. Il dort, lui. Il s'en fout. Oui, donc c'est un meuble bijoux. Il y avait marqué commode, rangement, bijoux, maquillage. Donc, un peu style original. Donc, c'est ça qui m'a plu. Donc, le meuble vient d'eBay. Il coûte 60 euros. Donc, il est en bois, laqué blanc. Donc, quand vous le recevez, vous avez les pieds à monter et le haut, parce qu'il y a un miroir. Et après, tout le reste est monté. Donc je vais vous montrer le meuble en détail. On y va. Donc nous revoici devant le meuble. Donc vous pouvez voir qu'il se compose de trois tiroirs. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Ici c'est la partie où vous pouvez accrocher des colliers. Donc j'ai accroché des colliers déjà. Vous avez 1, 2, 3, 4 espèces de... Oui, de crochets. Si on peut dire. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez accrocher vos bijoux. Donc faites attention quand même quand vous les rangez parce que c'est aimanté sur l'autre partie, ici là. Et après, vous refermez et vous avez vos colliers qui sont rangés. Donc c'est pareil de l'autre côté, il y en a un aussi. Donc voilà, vous avez les colliers accrochés dedans. Voilà. Donc j'ai mis tous mes colliers en fait. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. C'est fermé. Et du coup, ils sont bien rangés. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Ensuite, le dessus. Par contre, le dessus, il s'ouvre. Ça se soulève. Et vous pouvez ranger. Là, vous avez un miroir. Salut! Et ici, vous avez toute une partie où vous pouvez ranger des bagues. Moi, j'ai mis des bagues et mes boucles d'oreilles qui sont en forme de clou. Toutes celles-là. Là, j'ai mis toutes les boucles d'oreilles plus imposantes, vu que je ne savais pas où les mettre. Donc, le dedans est en velours suédine, hein, une espèce de velours, ouais, et noir. Donc, là, j'ai rangé mes bagues et tous mes trucs que je me sers. Donc, là, vous avez le miroir. Donc, quand vous recevez le meuble, vous avez ça à monter, cette partie-là. Après, ça se referme et ensuite vous avez les tiroirs. Donc le premier tiroir, j'ai mis du make-up. En fait, j'ai un peu de make-up partout, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui est bien avec ce premier tiroir, c'est qu'il est avec des compartiments. Donc vous avez quatre compartiments. Donc il est assez profond, hein, si je le tire, hein, voilà. Donc moi j'ai mis tous mes produits pour le teint ici, mes poudres. Donc il y a la poudre fichée d'eau, la MAC. MAC, la Mineralize Skin Finish. Ici j'ai mis mes blushs. Le blush. Aïe! Celui-ci. Le Milani. Le Baked Blush. Et après j'ai mis mes blushs MAC. Ici. Que j'ai pas dépoté parce que j'ai une palette de blush MAC. Mais bon, c'est pas. Ensuite j'ai d'autres blushs ici. Blush ULF, blush Sephora, blush. C'est plus celui-là. Slick. Là j'ai mon Coralista, le Pixie et un fard à paupières en mono qui se promène. Moi j'ai mis tout ce que j'ai pu trouver et qui puisse se ranger là-dedans. Dans le deuxième tiroir, j'ai mis mes Naked, les deux. La 1 et la 2. Là j'ai des glosses. Ici j'ai quoi? Je vous filme les pieds ou le panier à charge, je crois. Trop forte. Je sais pas filmer le rangement de make-up, j'en ai jamais filmé. Là j'ai un anti-cerne de MAC qui est presque fini.
des ombres par minérales, des bases à paupières. Et le troisième tiroir qui est le plus gros, ici j'ai rangé quelques palettes. Des palettes Clarins, oui, 4 palettes Clarins. La palette Make Up Forever, une palette la Glinda de Urban Decay. Une autre palette d'Urban Decay, ça c'est une poudre paysage que j'ai reçue en cadeau de la part d'une abonnée à qui je fais des bisous. Et puis voilà ce que j'ai mis dedans. Donc le meuble en lui-même, voilà comment il donne. Enfin, si je recule, vous aurez une petite vue du meuble. Donc il est assez haut en fait. Hein. Moi le soir je m'en sers de table de nuit pour poser mon verre de jus d'orange quand je bosse sur mes sites. Et après, vous avez les deux côtés qui s'ouvrent où vous pouvez ranger vos colliers et la partie du dessus qui s'ouvre aussi. Voilà, je vous le montre comme ça, en entier. Et puis, oui, ça vous donne une vue d'ensemble du meuble. Voilà, donc si vous voulez le lien de l'ebayeur, hein, où c'est que je l'ai commandé, je vous le donne. Mais les frais de port sont gratuits par contre. Et puis je trouve que c'est assez assez sympa. Donc là il y a un petit défaut ici, il y a une pointe qui sort, mais j'ai demandé un autre tiroir. Donc je devrais l'avoir à la place. Et puis voilà. Salut, c'est moi. Oui, vous ne me voyez pas, je vous vois moins. Et donc voilà le meuble. Original. Moi j'aime bien tout ce qui est original de toute façon. Et le reste de mon make-up est stocké quelque part là-bas. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc celui-là de meuble, il faut que je le vire. Pour l'instant, regardez pas, il est moche. Mais le plus joli, c'est lui là-bas. Petit truc là. Oui. Oui, c'est un peu la panique encore. Hein. C'est pas tout rangé. Mais bon. Vous inquiétez pas, hein. Je vous montrerai le reste. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur le meuble ou autre, voilà, moi j'ai rangé ce que j'ai plus dedans. En fait, on peut en faire qu'un meuble à bijoux. Moi, j'en ai fait un meuble bijoux et maquillage parce que j'avais pas autre chose à disposition. Mais sinon, il est super pratique, bonne qualité. Le bois est quand même assez costaud, donc voilà. Hein. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et voilà. Bisous, bye bye.